Et voilà, de retour donc sur War Tales pour la suite de nos aventures. Les trackers ont vaincu la meute fantôme et vous font cadeau d'un trophée. Ok. C'est-à-dire on a envoyé un infiltré dans la taverne rivale, ok. Nouvel objectif. Ah, il faut qu'on envoie quelqu'un. Taverne rivale. Hein. Envoyer un espion, impossible 40, chance de réussite 0. Ouais, mais du coup, choisir un compagnon. Aucun compagnon disponible parce que nous n'avons pas de voleur. Faudrait qu'on recrute en fait un voleur exprès. Quoi. Est-ce qu'on fait ça? Du coup, il faut recruter un voleur. Là, on a que des marmites. Ah non, attendez. Civils. Civils ne peuvent ni apprendre un nouveau métier ni être transférés vers la troupe. Pas de soucis. Donc, treat le civil. Production d'alcool augmentée de 3. Fait vieillir l'alcool 50% plus rapidement. Ajoute 2 emplacements de plats à la carte. Virtuosité à 20% de chance de produire des plats délicieux qui se vendent plus cher. Ah, alors attendez, parce que eux, production de nourriture augmentée de 1, production de nourriture augmentée de 1. Vous voyez qu'on peut envoyer par exemple Milwim en voleur. Non, on peut pas. On peut le mettre tavernier, marmiton, vigile, mais pas voleur. Voleur, faudrait mettre un de nos personnages. Personnel sans assignation, touche un salaire moindre, mais ne participe pas au fonctionnement de la taverne. Et les bardes, ouais. Production d'alcool et production de nourriture. Bon. Tant pis, on va laisser tomber ça, on va sortir. Donc deux options pour cet épisode, soit on va vers la traque. Attendez, il se passe un truc là, la pièce verrouillée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Soit, voilà, il faut aussi qu'on aille là. On va aller faire ça, on va traverser la porte là. Porte frontière de Gosenberg. Let's go. Gosenberg. Éloigner. Ah, oui, alors attendez. Avant de nous éloigner, on va aller faire un tour au marché. 886 balles, on a. On va juste acheter. Ouais. Pareil, toutes nos courses, là. Du sel. Those refugees. I understand there's a war in Edoran, but that doesn't mean they can just help themselves. Ok, et la perche, on... Ah. Non, la perche, on récupérera peut-être en chemin. Puis on finit par trouver des appâts à un moment. Quoi qu'on peut peut-être... Take a look at my wares. Acheter pour 75, acheter pour 50. Acheter pour 50. Mais est-ce qu'on sait que. Enfin, est-ce qu'on est sûr de les revendre plus cher ailleurs aussi? C'est ça la question. Bon. Ok. Ok, ok. Bon, 650 balles, on y va. On est d'accord, on prend la bonne route là, oui.
Prochain repos, vous devrez verser 192, hein. Oui. Qu'est-ce que vous vendez, vous ? Might I interest you in my humble wares, my good sir? Encore toi ? Non, bah non. Ici, un petit coucou à Zekinho. Il est mort comme il a vécu, assaisonné. Il faudrait réfléchir aux prochaines épitaphes. Prochaines épitaphes même. Ah, d'autres marchands. Might I interest you in my humble wares, my good sir? Au revoir, il a du gré. Persil des marais, des pitons. Pitons, on en a. On en a deux. Ça pour combien? 5. Ouais. Ouais. Sol des montagnes, résidus alchimiques. Et poudre d'Alazar pour faire les remèdes. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on a un truc à lui vendre? Mof. Mof, au revoir. Allez, direction la porte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là déjà? Et que vous? Renault. Ok. My cousin runs a tavern in the city of Gothenburg. If you can lend me the money, I promise he will pay you back threefold. I'm not lying. He truly does exist. 200 balles. Ouf. 200 balles, tiens. On est des gens comme ça. 200 balles. Reno, je te promets. On te retrouve. I don't have enough money to cross the border. I don't know where to go from here. Toi, tu nous demandes pas. Ok. Bien. Bon, ça sent les embrouilles, hein, Renault. We're not a charity, you know. You need an official pass to enter Gothenburg, unless you are willing to pay. Donner le laissez-passer, donner 200 balles. Tiens, le laissez-passer. Everything is in order. Welcome to Gothenburg. Ok. Et du coup, le laissez-passer, on le garde ou comment ça se passe? Non, on l'a plus. Ah non, mais on veut y aller maintenant. Ok, on traverse. On traverse et notre mission se situe le long de la route, a priori. Il faudra aller un peu sur la gauche. Ah oui, même beaucoup sur la gauche. Je vais chercher ça. Progression de vos découvertes, vous avez gagné un point de connaissance. Très bien. On va utiliser tout de suite. Alors, sens de la conversation. Non merci. Que... Taux de recrutement réduit de 10%, mais bon. Votre troupe peut indiquer des objectifs sur la carte. C'est tout. Ensuite... On peut apprendre ça. Transport plus 10. En vrai, on n'a pas trop besoin pour le moment. Ensuite, set de forgeron confirmé. Avec des casques. Casques fantômes. Ensuite, les targes fantômes.
ça il nous faut les trucs blancs là. Ensuite des plaques d'armure légère pour poney. Le fer à cheval, ah on pourrait les fabriquer nous-mêmes. Bon il n'y en aurait qu'un à fabriquer mais... Le set d'armes. D'armes 3. Arc fantôme et pique fantôme. Ici masse à deux mains fantôme, grande hache fantôme, grand glaive fantôme. Ça ce serait pour nos trois héros là, mais ils ont des armes quand même assez sympas. Tête de forgeron confirmée, main gauche. Couteau de lancer, faucille de lancer, hachette de lancer. Je sais pas, il y a trop de choix, pas assez de points. Trop de choix, pas assez de points. Ensuite, dans la marmite, poulet braisé, un poulet légèrement braisé et suintant de graisse. Il nous faut du sel et du poulet pour faire ça. On pourrait le faire, hein, ceci dit. Après, ça nous fait nourriture 6 au lieu de 4. Quelques pièces de porc grillées. Oui, bah ça, on l'a pris déjà. Mais c'est vrai que du coup on le fait pas hein, ce truc là. Faudrait qu'on cuisine. Infusion de chanvre. C'est un remède à la gueule de bois, certains taverniers. Hein, augmente de 1 le bonheur de la troupe. Nourriture 6. Wow. Pourquoi pour ça du chanvre et du sel? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La table d'apothicaire avec l'herbier. Une essence poisseuse translucide, ingrédient essentiel de la préparation des huiles alchimiques. Écoutez, on va apprendre à faire le poulet braisé ou dans l'infusion de chanvre. Enfin, je sais pas. L'un ou l'autre. Allez, le poulet. Poulet. On va aller voir le moulin. Salut à vous. On peut inspecter, on peut pas voler ça. Inspecter, on peut pas voler ça. Enfin, on pourrait. Voilà, du chanvre. Il n'y a pas d'autre ailleurs. Là-haut, qu'est-ce qu'on a inspecté? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est le moustique. Il n'y a rien de plus sans par ici. Ouais. J'ai acheté ce moulin avec l'or massé pendant ma carrière de gladiateur. Parfois, l'ambiance de l'arène me manque. Puis je repense au fait que je ne risque plus de perdre un bras ou une jambe sur une maladresse. Je pourrais vous apprendre quelques techniques sur les dagues, ma spécialité, mais il faudrait me prouver votre adresse. À l'arène de Smot. Ah. Un esclave. J'ai effectivement été vendu avec le moulin. C'est un argument de poids pour le nouveau propriétaire. Ok. Bon. Débrouillez-vous. Je vous regarde. Ah, vous voulez pas y aller? Ils vont vouloir dormir bientôt. Est-ce qu'on se dirige? Oui, on suit la route. Inspecter ça, why not? Alors, c'est un hôtel où les pèlerins déposent des offrandes à Sainte Elcor pour les guider dans leur voyage. On peut récupérer tout ça. Donc. Hop. Je voudrais pas que ça fâche Elcor, mais...
A trouver Mareim. Il quand le groupe est fatigué. Alors par quoi on commence? Marché, maison communale peut-être, on va aller rencontrer le bourgmestre. Qu'est-ce que vous racontez? Trésorière, la sortie, le bourgmestre, un coffre. Vous voyez qu'on peut voler là sans problème? On a le droit de faire ça? Alors, document du bourgmestre indique de la bourgmestre indique un endroit important. Bon, on n'y touche pas parce que sinon ils vont bouder. Since Alazar sold us their latest invention, the stench of dead rats has permeated the whole market. Et depuis qu'Alazar nous a vendu sa dernière invention, le marché dégage une odeur de rats crevés. Les boutiquiers défilent toute la journée dans ce hall. Les égouts empestent Madame Beat. Bourgmestre Beat, l'odeur des égouts fait fuir les clients. Bien sûr que ça fait fuir les clients, mais qu'est-ce que j'y peux? Maintenant que les égouts sont creusés, on ne peut plus les enlever. I just don't understand where the village's money is going. I double check everything several times a month, but there's no denying it. Ah. We've got leaks. Someone is robbing us blind. OK. Quelque chose à dire là-dessus? It's driving the clients away. Non. Et les égouts non. On va pas les visiter. Cabinet d'apothicaire, le forgeron. Il nous raconte. Il n'y a rien ici pour nous. Il y a la forge. Je sens que cette année va être calme. Sans les vignes, pas besoin de cercler les tonneaux. Tout à fait. On n'a rien à réparer du coup. Et nos chapeaux, là, on les vend toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Hein. Ok, on sort. Ensuite, la taverne. On va aller voir l'alchimie. Labo d'apothicaire avant. Ok. If you're here to tell me to sell up, my answer is no. My uncle will be back soon. Ah. He went to study the disease affecting the vineyards for broker Ald Marheim. This letter proves it. He asked me to join him there. If you're looking for work, I could do with an escort. Vertrus is rife with bandits and wild animals. Alors, pourquoi pas questionner? Questionner à propos du tubercule étrange. Tiens. Utiliser tubercule étrange. No, doesn't ring a bell, I'm afraid. My uncle would probably know, but I'm just an apprentice. Are you sure you found this in Vertrus? If you get more, I'd be willing to buy them off you. Who knows what I could make of them? OK. Mais aussi vous avez un stagiaire ouais, et sinon? If you're looking for work, I could do with an escort. Alors, on aurait la recette du remède imparfait. 50 balles. Et 20, je sais pas quoi. Bon, oui, pourquoi pas. This is the meeting place. If you ever need to buy any potions, you can always bring me back here so that I can prepare some. Ok. Ok, il fait quoi? Il nous rejoint, lui, oui. C'est un civil. Un civil, est-ce qu'il peut se battre? Est-ce qu'on peut le... On peut pas l'équiper. Ok, on peut pas l'équiper, on doit juste faire avec. Très bien, on sort.
d'autre à voir. La taverne. Taverne de Merlours. Might she be looking for work? Our role as emissaries is to ensure that all service requests are fulfilled. We regularly update our job offers. Ah, faut voir. La bande à machin, du déranger la mauvaise personne, 265 et 230 facile, pourquoi pas. C'est du moyen, c'est du difficile. Éventuellement on peut prendre ça. Mais, ouais, on va prendre ça, mais où est-ce qu'on doit se rendre ? Bertrude's province is beautiful, isn't it? And rich at that. Stay loyal to the emissary and you will get the best missions. OK. Informé. Thank you. You can go. On a terminé la mission informé Marheim. L'informateur a fait disparaître le pli dans sa manche. Merci, vous pouvez y aller. Ensuite, la colère gronde chez les vignerons, ils ont décidé de s'unir pour faire justice eux-mêmes. Divers rares. Pour 50 balles, on peut acheter ça. Brunhild a besoin de mercenaires malins et peu scrupuleux pardon, pour une mission discrète. Madame Loop possède les derniers vignobles saints de Vertruse et elle est déterminée à le protéger. On peut prendre les trois éventuellement parce que de toute façon, on n'a pas de... But I have nothing of interest for you. Ouais. Mais c'est déjà bien. Ensuite. I need to save up for my son's wedding. Ah. Oh. Bon, de toute façon, ça va être trop cher pour nous. Enfin, 180, 360, mais derrière, il faut les payer. Toi, t'es qui ? I was part of another group of mercenaries, but one morning... Ils sont partis sans toi, ok. Eh bien. Il n'y en a que deux, non, il y a un troisième là. Bah décidément. Un archer. I'm concerned about the vineyard disease. It's confined to Vertruse at the moment, but se reposer pour 106 balles. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Du vin de Gosenberg. Il nous reste du vin, oui. Bon, est-ce qu'il faut... On va juste camper. Faire un tour au marché rapide. Le repousse-cheveux, fini les crânes dégarnis. Un peu de lotion sur vos caboches avant de dormir et dès le lendemain, votre tête est recouverte d'une chevelure digne d'un Saint Elcor. Le repousse-cheveux, remède rare. Non, non, bah non, on va pas acheter ça. This crook has been screaming his head off for days. I am this close to making him eat his cart. Eh oui. Ok. Donc ici de l'argent, des parchemins et des épices. Commun, inhabituel à rare. Acheté pour 100. Un métal rare est difficile à produire, qu'on utilise principalement pour mesurer le succès et le pouvoir d'un individu. Bah on sait qu'il y en aura ici, mais on va pas l'acheter comme ça. Toi, tu vends quoi ? How can we sell anything in this stench? I complained to the Lady Mayoress at least 10 times this week. Ok. I would offer wine to go with Il y a rien de moins cher. Has all but destroyed our vineyards. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à récupérer ici ? On a... Une trappe. Des crochets, ça pourrait être bien quand même. Oh, du premier coup.
bah ça c'est fait. Incroyable, des rats taupes. On peut parler aux rats taupes, on peut les inspecter. Ces créatures ne vous laissent pas approcher de leur nid. Attaquer. 13 rats taupes. Combattre. Ok, bon bah on en est là. Hein. Ambiance Fallout encore une fois. Le rat taupe, on va lui faire un sort. En revanche, la troupe était fatiguée, alors je sais pas si ça va pas nous poser problème ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un piège, torche au sol, ok. The Last One. On est par là, Gozaka. On est par là. Parce que là on est au milieu de tout. Kars. On est par là. Kaiser. Kaiser, il faut de la place. Ziglo, pourquoi pas ici. Après il nous reste Arionact. Ici. Attendez, il nous manque des gens là. Gozaka, Arionax, Kaiser, Daskar, Digne, Marie, il est où Squash? Squash a disparu. Non, il est là. Squash, Ziglo. Peut-être mettre Daskar là-bas à la place de. Tiens. Et on va l'envoyer tout de suite. Hein. Ok, déchaînement. Ça c'est fait. Derrière, on va se mettre là. Et puis on va prendre la protection. Je pense que la bourgmestre sera contente du coup. Bien. Quel est le prochain rat? C'est là-bas. Grignotage inflige 7-9 de dégâts. Ah mais non, c'est... pardon. J'ai rien dit. Bah écoute, viens là. Ah, tu peux pas l'avoir. Lol. Motivation. Vas-y. Encouragement. Voilà. Terminé pour The Last One. Qui pourra hélas pas frapper cette créature. Ah oui, la riposte. Bah, la riposte n'a pas pris. Bon. Je vais venir là. C'était pour Squash. Alors, Gozaka. Ou alors on envoie Kars. Il peut pas avoir les 4 non plus. Bon bah Gozaka, tu vas venir là. Hop. Frapper les deux. Et puis déchaînement là-dessus. Et le Kourou, vas-y. 15, mais il est encore en vie, purée. Ensuite, Kaiser. Kaiser, il peut venir ici. Il peut avoir les deux là.
Comme ça, c'est fait. Choc affaiblissant. Bim. Ah, le râteau est solide. Hein. Arionax. On a un petit point qu'on va s'en servir pour la protection. J'ai pris la protection là. Ok. Ensuite, Kars, il va venir ici. Infliger du poison. Tu veux frapper ça? Avec la protection aussi. Pugiliste. Ok, très bien. Oups. The Last One en mauvaise posture. On va récupérer un petit point pour... ou pas là? Non, il lui reste encore des points de vie. Aïe. C'est lui là-bas qui va prendre. Sinon ça va être... Ah, quoique... Quoique, mais 40% de chance de toucher les collègues. Je le sens pas du tout là. On va pas faire ça. Ok. On est bien. Donc, priorité là-bas. Priorité là-bas. Alors attendez. Priorité encouragement peut-être. Daskar, il lui faut quoi lui? Mais non! Ah, quel abruti. Bon, il a frappé. Bon, bah vas-y, encouragement. Là. Ok, ok. très bien, fin de tour. Daskar. Bon. Hop, ça c'est fait. Et après tu vas venir là. Un tour. Oh. Belle bête. Ouais, sale bête, tiens. Ah, tu peux frapper que lui du coup? Lol. Bah non, fais pas ça alors. Kaiser pourrait se déplacer par là peut-être, non. Tu pourrais nous faire un empalement. Attendez, est-ce que ce rat à deux là? C'est lui qui va jouer. Ensuite c'est lui. Ensuite c'est lui. Et lui il a déjà joué. J'aimerais bien que éventuellement Marie.
Te décale là et tue celui-ci une bonne fois là. Ok. Tu peux encore. Ouf, le 30 quoi. Tiens, viens ici. Très bien. Il frappe Daskar avec sa protection, tout va bien. Toi, tu vas te mettre par là. Très bien. Ensuite. Voilà, déstabilisation. Derrière. Hop, on fait le tour. Alors, j'aimerais que ce soit Kaiser qui vienne là. Pour un grand coup dans les deux rats. Hop. Choc affaiblissant là-dessus. 26. Il est crevé là, oui. Hop. Toi, tu vas pouvoir venir ici. Très bien. Oui, pourquoi pas prendre la protection. C'est de pas frapper tes collègues, s'il te plaît. Encercler de dos, hop, c'est fait. Et le pugiliste va attendre ici. Ciao Kinkageek, merci d'être passé sur ce live. Ouf. Là on va prendre cher à la fin du tour. Mais ce ne sera qu'à la fin du tour, donc... Daskar d'abord. Bien joué. On va se mettre là. Ensuite, toi tu viens par là. C'est fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Zone de 2 mètres, c'est tout. Bah vas-y, hein. Et puis le choc affaiblissant. Et puis c'est bon. Gozaka. Non, pas Gozaka. On va prendre Arionax. Pour venir taper là-dessus. Oui. On va les laisser partir. Partir d'ici. Je vais chercher à abîmer plus les gars pour si peu. Tout réparer, 7. Waouh. Non, on va pas réparer comme ça, on va aller au forgeron.
Et le forgeron. Lieutenant Kars, donc, hop, un niveau volonté, on va faire là. Améliorer, oui, ah non, bon tant pis, fallait un autre clic, c'est pas grave, c'est fait. Lancer réflexe, après avoir utilisé une compétence, inflige 4 de dégâts à l'ennemi le plus proche dans un rayon de 4 mètres. Arme empoisonnée, chaque fois que cette unité attaque dans le dos, elle applique 2 points de poison. Et contrat mortel, au début de chaque round, applique fragilité à l'ennemi le plus proche pendant un round. Ok, on va faire ça immédiatement parce que le poison il l'applique quoi qu'il arrive. Donc. Voilà. Et Squash aussi. Squash, il a déjà sa volonté, on va monter la Dex. Ah, peut-être. Oui, on va monter la Dex. Ensuite, flèche renforcée. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, elle applique saignement. Toutes les deux attaques appliquent vulnérabilité. On peut contrôler les animaux au combat. Oh. Mais les animaux, on n'en a pas, nous. Par des poneys. On pourra peut-être prendre ça. Toutes les deux attaques, il inflige vulnérabilité. On peut se dire qu'il l'infligera au moins une fois par combat. Peut-être deux. C'est pas énorme, certes, mais... Là, on prend tout. On continue. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Inspecter. Le nid bouche l'évacuation des eaux usées, brûlées. Utiliser la torche, oui. Il n'y a que 5 utilisations de la torche. Ici, il n'y a rien d'autre. Partir. Okay. Éventuellement. Donc ça, c'est fait. La voix, telle est la voix magnanime, laisser 10 ennemis fuir le combat. On va sortir. On campe. Toi, Michel, tu peux pas nous aider là. Là, non, tu t'en fous, non, tu t'en fous pas. Voilà, tu ne t'en fous pas. Alors, hop, un petit cidre. Bah, du coup, on a rempli les conditions pour ça. Qu'est-ce qu'on peut manger là? Des carcasses. Oui, mais alors ça... Du coup, on peut pas le cuisiner, là? Attendez, on va manger le gibier. On va manger ça. On est à 20 et quelques, le loup. 42 et tiens, 43. Rapport de camp, on a gagné des points dans tous les sens. 126 à la taverne. Ok, on sort de là. On va aller voir la maison communale. The stench came from a rat's nest. How vile. You have my thanks for ridding us of this revolting horror. Ok. Vous avez obtenu de l'influence 30. Oui, mais du coup... What can I do for you? C'est
tout, c'est quoi les 240 balles, c'est dans la taverne. I don't understand where the village's money is going. I double check everything several times a month, but there's no denying it. We've got leaks. Someone. OK. Bon. De là, on va aller voir l'autre taverne. Tiens. Might she be looking for work? Our role as emissary is your reward. Consulter. Donc il y a des défis moyens à droite à gauche, mais surtout à gauche. Un tombeau des anciens. Invasion de rats. La bande de machins. On va prendre l'invasion de rats. Et par là. La bande de machins, pourquoi pas aussi, hein. Et le tombeau, je crois qu'avec une seule torche, on va pas pouvoir faire grand chose. Mais pourquoi pas. Pire, on se le garde pour plus tard. Ok. Mais du coup, ouais, comment on cuisine là? Parce que c'est la grande question quand même. Viande, gna. Ici, on collecte quoi? Bon payeur, se reposer 10 fois sans avoir de solde à verser. Très bien. Écoutez, je ne sais pas. Normalement, on a appris à faire du poulet machin truc. Le destin m'a parlé, j'en suis certain, sinon comment expliquer ce que j'ai vu? Après une nuit à l'arène de Smot, j'étais descendu cuver mon vin sur la plage comme d'habitude, et tandis que je regardais le soleil se lever, j'ai vu un énorme loup sortir des flots, un poisson entre les dents. Pensez sûrement que je suis fou, mais j'y vois un signe de l'œil. Il m'ordonne d'arrêter de parier sur les combats de gladiateurs et de me trouver une femme. Ah. Écoute, bonne chance. Bien, bien, bien. Ben, ouais. Écoutez, tant pis pour... on va aller au marché quand même. On a un peu d'argent, de quoi payer nos gars, donc. Strange. The market doesn't stink quite as much now. On a dépensé 60 pour ça. I would offer wine to go with your cheese, but the disease has all but destroyed our vineyards. Attends, t'as quoi là? I would offer wine to go with your cheese, but the disease has all. Bon. On sort. Non, attends, on va prendre ton grain là. Ton blé. Ok, 383. Normalement, on a de quoi les payer deux fois là. Donc on va s'éloigner de cette ville. Regardez notre carte. Ici, il y a une prime. Celle-là, elle est difficile. Être demandé, frère machin. La colère gronde chez les vignerons. On va aller peut-être sur la gauche. Ouais. Embusqué. Des herbes, elle a des bandits. Des déserteurs, ok. Niveau 6 les déserteurs. Bon, de toute façon on n'a pas le choix. Enfin on aurait le choix mais on va pas parlementer avec ces gens. On va plutôt garder notre argent.
Ok. Ils sont où? Daskart est déjà... Ah purée, on a oublié de réparer. Artificier, renégat, pillard, saboteur. Le saboteur, faut qu'il prenne vite ça. Ok, et là ils sont 4, 5, avec un saboteur également. Arionax, il est pas terrible à niveau armure. Kaiser. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il leur faut un cinquième comparse là-bas parce que. Ziglo peut-être. Oh, c'est pas ouf là. Ça, c'est pas ouf. Qui va jouer en premier? C'est lui. C'est un archer. Ah ouais, faudrait le choper maintenant quoi. Kaiser, tu pourrais faire ça peut-être. Choper comme ça hein. Et choc affaiblissant ici, voilà, provocation, on peut l'affaiblir lui pendant un round. Non, on pourra pas. Bon, tant pis, on va pas l'affaiblir deux fois. Ensuite tourbillon tranchant. Et après, c'est qui? C'est lui. L'autre artificiel. Daskar. Daskar, on compte sur toi. On nous déglingue ce type, s'il te plaît. Ok, c'est pas mal, mais il est encore là. Donc la provocation. Ensuite, donc c'est lui. Karz, éventuellement, tu pourrais l'avoir. Hein. Vas-y, pour les deux. Il lui reste 5. On va se déplacer là. Mettre une frénésie sur lui. Et se barrer encore un peu plus loin. Et éventuellement un point pour courir. Hop. Bien, suivant, c'est lui. Le renégat. Avec son poison. Et lui. Et lui. Donc on va essayer de finir lui. Je veux pas... le tourbillon là. S'il vous plaît. Et la protection. Continue là-bas avec de Last One avec non toi. Le choper la dodo. Poison, poison. Ah, lui m'inquiète beaucoup là. Non, ça va. Vous voyez qu'il allait en mettre plus. Arionax.
Le problème de The Last One, c'est qu'il va choper les trois. Hein. Donc il se déplace là, peut-être. Oh là, il peut en avoir qu'un, heureusement. Activation des troupes. Ok. L'encouragement, pourquoi pas. Il nous a mis quand même tellement de points. Bien. Patrouiller, bah pas le choix. Hein. Là, il va falloir aller ici. On va prendre la protection. Au secours, Kaiser seul face à l'adversité. Toujours. Tiens, est-ce que à tout hasard, tu voudrais pas lui le repousser un peu, genre dans le poison en plus. T'as un petit point là. Hop. Très bien. Il fait mal ce combat. On va venir ici. Ok, pas mal. Les archers. De recul, ralentissement en plus, 15, bah toi t'as fini hein. Il lui reste 4 points de vie. Donc tu viens là. Ouf. Ok. Un nouveau round commence. Donc, Kaiser. Kaiser, tu pourras pas choper les 3. Bah écoute, vas-y. Hein. Tant pis. A pris un choc affaiblissant, tiens. Toi, tu dois prendre. Je sais pas s'il va survivre, un Kaiser là. Il est dans une situation très compliquée. Ici. Quoi que toi, peut-être. 10, toi. 5. Il reste 2 points de vie. On va venir ici pour aider Ted Kaiser. T'es sérieux avec ça? Oh, il va se prendre un coup de masse là. Bon, alors attendez. Là, on en termine avec lui. Allez, bim! On va venir par là, se mettre en posture de défense au cas où. Oh, Daskar, attention aussi. Hein. Daskar, attention. Bah tiens, vas-y. Thank you.
Déchaînement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire hein? T'es vraiment trop loin de tout. On lui mettrait pas un petit tir de recul là ou quelque chose. Allez, un de moins. Bien aussi comme ça, et là tu vas pouvoir mettre ça peut-être. Voilà. Très bien ici, signe noir. Ok, on prend le poison en plus. Bon, Arionax en duel. Points. Ouf. Au secours. Toi, tu peux passer par là sans poison, non? Pas vraiment. Ok, il lui reste un point. Passer par là, puis par là. Donc Karzy peut venir là. Donc une attaque de dos. Ah mince, on va toucher signe. C'est fait. Le ciblage. Une petite chance de toucher les collègues là. Pas très fan de ça. Ok, il a perdu son ciblage déjà. Et on va se rapprocher. Mais on pourra pas soigner Daskar. On est trop loin. Cours. Alors, un nouveau round commence. Première chose, c'est qu'on veut surtout ne pas perdre Kaiser. Donc Kaiser, on est obligé de le jouer maintenant. Kaiser avec ses 4 points de vie là. Comment on fait ça? Parce que si on se désengage, il va prendre un coup. Toi, tu peux soigner, toi. Donc l'idée, ce serait que tu viennes là. Mais si tu te colles à Kaiser, il va prendre feu. Bon, qui est le prochain à jouer? C'est lui. Lui, il nous pose pas de problème. Après, ce sera lui. Donc on a encore le temps, peut-être, de déjà venir ici. Frapper les deux, là. Yeah.
et venir ici, pourquoi pas. Appliquer des encouragements. Non, on va garder le point absolument. Ensuite. Il peut soigner encore. Lui, il peut soigner. Il faudrait l'aider à sortir de là, en fait. Alors, on vient ici. Ok. Protection, non. Et la brûlure. Ensuite, toi. Et tu viennes ici. Qui va jouer, là? C'est lui. Donc toi, faudrait que tu viennes ici. Sans bloquer le chemin. Et que tu viennes ici. Ok, parfait. Ça, c'est vraiment parfait. Ok. Ensuite, c'est toi qui viens là. Soigne ton collègue. Pas énorme, hein. Ça va pas être, ça peut être ouf, mais toi, si tu viens là, tu vas prendre feu, donc c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, non, 29. Non. On va s'éloigner. Et puis voilà. On va lui mettre un choc affaiblissant ici. La frappe, on va pas la mettre et on va se désengager peut-être. Une attaque qui inflige 100% de l'attribut principal force ou dextérité. Ouf, oh là là. Ouais. Non, mais on va pas faire ça. De Last One non plus. Oh, c'est les embrouilles ici. Hein. Tant pis. Cars. Il prend. Poison. Ok, ça c'est fait. Et s'il s'enfuit maintenant, ça pourrait être une bonne chose quand même. Est-ce que toi tu peux faire quelque chose pour ton collègue? Non, il est trop loin. Ouais, bien trop loin. Ok. Donc toi tu vas te mettre là. Il y a sa posture défensive, déviation. Ligne. Je ne sais pas si non, il va pouvoir faire grand chose. Au secours. Oh, 18. Il est mourant, il prend feu, on lui balance une hache, 10 points de dégâts, tout qui se passe en même temps là, très bien, on va se mettre par là. Marie. Oh, les points de dégâts qu'elle met. Ah, ça c'est fait. Il s'enfuit. Oui. Ok. Ok, parce que j'ai pas envie de tuer Kaiser sur un malentendu.
On a récupéré moins de trucs. Démonstration de force. Cathare du déserteur, ils n'ont pas rien. Dextérité plus 12, démonstration de force. Inflige deux fois 40 à 50% de la dex à la cible. Posture d'attaque applique fragilité. Posture de défense applique protection. Et ça, lancer de hache. Achète de lancer. Très bien. Tout soigner. Continuer et on retourne à Marim pour réparer nos armures. Complètement oublié de faire ça. Forgeron. Ah, parce qu'en plus de ça, et là, ça n'était que des bandits de passage, quoi. I just know this year will be a breeze. Without the vineyards, no need to circle new barrels. Ok, on répare 44. Here we go. Your armor is as good as new. Ouais. Et puis l'équipement donc. Tiens. Viens voir là. C'était toi éventuellement. Donc là on a quoi? On a dextérité plus 8, rafale opportuniste, 2 fois 5, 7 de dégâts. Il a combien en dex? Il a 13, hein, donc la moitié ce serait 7 ou 6. Dans tous les cas, ça va être plus intéressant d'avoir ça. Non. Pourquoi tu peux pas le mettre? Requiert niveau 5. Ah, ok, bon, on va attendre. Pas de problème, cette hache on va la vendre. I just know this year will be a breeze. Without the vineyards, no need. La hachette de lancer, on garde. La hachette de lancer, qui? Peut-être Karz. Ok. Bon, il y en a qu'une, hein. Applique saignement. Et c'est insuffisante pour créer cette quantité, oui. Mais sinon, les retouches. Gna gna. Ah, il nous faudrait du cuir blanc. Ou ça. Ou du cuir blanc. Là on pourrait retoucher pour avoir un plus 8 ou un plus 9. Ok. Peut-être que je me ferai un tour des armes qu'il possède là. Ça, c'est pour devenir une targe renforcée. Pourquoi pas, ça ne coûte que un de chaque. Vas-y. Ouf, hein. Cette targe elle est à armure plus 6, garde 11. Ça n'a pas changé quoi. Ça n'a pas changé. Vas-y, on continue. Retouche. Mieux là. 12, 7. Okay, on a gagné un peu. Ok, ok. Bien, bien, bien. Bah écoutez, là-dessus, moi je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Et puis ce petit live, on se retrouvera demain pour d'autres aventures sur WarTage et sur d'autres jeux. Ciao tout le monde!